Et c'est reparti avec cette petite clé. Oui, j'aime bien reprendre là. Eh, hey, monsieur, on est reparti avec dans Sherlock Holmes The Awakened. Nous nous retrouvons dans l'institut, j'arrive plus à prononcer ce nom de Suisse, où on a retrouvé la trace des disparus. Et grâce à Napoléon Bonaparte et Watson, on ouvre ce qu'on peut appeler la porte des enfers. Et voilà. Et on se retrouve là où on était avant. De toute façon, on risque pas de revenir en arrière. Bon, alors. Des rats partout. Des endroits où tout le monde est enchaîné. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, bah ça commence bien. Dents cassées, et mec de cour. Tooth of an adult male likely lost in a beating, only a couple of days old. The inside of the cuff is worn. It's been used often. Ça. Pas que. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un cylindre. A wax cylinder. There is something recorded on it. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. Alors, faut savoir que dans le jeu original, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois. Mais normalement, on ne contrôlait pas Watson. On n'avait que Sherlock Holmes et on se débrouillait. Et malheureusement, bon là, ça change un petit peu, mais c'est pas plus mal. Et mal, ça fait du bien. Normalement, à ce niveau de progression de l'histoire, c'est ici que je me suis retrouvé bloqué. Oh, the spell. Super. Je sais pas combien de temps va durer cette partie de la vidéo, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dear God, is that body parts? Ah oui, des restes humains. À mon avis, judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were used for dismemberment, utterly inhuman. Tiens, succès. Laissez l'abîme vous rendre votre regard dans l'abîme. Curieux. Alors, où est-ce qu'on en est dans tout ça? Tiens, Rancir. Journal de Gigax. Très cher professeur. Asile. Et un plus, on observe de nombreux. D'accord. On va devoir aller par là, je crois. Enfin, non, je veux dire par là. Bon. Là, il y a des choses assez intéressantes. Qu'est-ce qu'on a ici? Ayez confiance en mon guide, la lumière de l'abysse, car il illuminera nos élus. Assurez-vous qu'il soit présent et notre élu ne prononcera rien si ce n'est les paroles sacrées. Alors la transe commencera et nous ferons un pas de plus vers l'univers par-delà. Votre contribution est essentielle car bon nombre de nos ouailles ne parlent pas notre langue et le temps presse. Il serait préférable de travailler par groupe en réalisant au moins une séance par jour une semaine durant. Bien sûr, il nous fera compter les membres les plus sceptiques de nos propres mains. En attendant, mes travaux portent sur le maintien de la transe grâce aux émissions de lumière produites par les lentilles caléides continues. Pour finir, mes hommes de la Nouvelle-Orléans, encore dans l'Amérique, vous contacteront à propos de l'arrivée des nouveaux élus. Libérez quelques espaces pour eux, comme vous l'avez fait auparavant. R. R. Mystérieux R. On a le droit à une petite clé. Non, c'est ça, c'était pas le crâne. La banque est en possession des gemmes. Mon maître m'a ordonné d'envoyer les premiers élus. Ils arriveront d'ici 2 semaines. Ne nous décevez pas. Ah! Ah! Pas A comme ça en haut. Ah! Ah! Plutôt A, la lettre A que je suis en train de lire. Il y avait quelqu'un qui récitait une formule, mais.
Tiens. Tiens, succès, leçon d'histoire. On apprend plus sur le professeur Gigax. C'est le carnet du professeur Gigax en plus. La nouvelle méthode enfin commence à produire ses résultats. Les sujets, seuls 4 peuvent être considérés comme et de succès et ceux qui ont échoué n'affichent plus aucune réaction aux stimuli externes. Cela étant, le système phonétique constitue désormais un triomphe total. Quel que soit le dialecte ou pinatal, le sujet se montre capable de réciter l'incantation sans la moindre erreur. Ils l'apprennent rapidement et avec aisance en dépit de leur manque absolu d'autonomie mentale. Malheureusement, un des élus s'obstine à résister. L'isolation et la privation ont développé son sens de l'insoumission. Chaque effort diplomatique n'engendre que colère et même après excision des lobes frontales et temporales, seul un désir inné de résister semble avoir persisté. Ne pouvons permettre à cet élu de corrompre l'esprit des autres. La confusion est inévitable, il ne doit pas continuer à vivre, je me chargerai personnellement de l'envoyer au puits. D'accord. Voilà ce qui arrive à ceux qui résistent. C'était très instructif. Clé. Dans le bureau de Nain, dans la sous-bassement de l'Institut. Là, je peux pas encore dégager les vêtements. Bon! Alors, ils font du lavage de cerveau pour faire sombrer tout le monde dans cette folie abyssale de la part d'un prof sous les commandements d'un R. Et il y a des résistants et ils finissent dans le puits. Dis donc. A very professional brain dissection. Ornithorhynchiquement macabre. Dynamo machine provides electrical stimulation for the person in the chair. Ah ben ça, on imagine pourquoi. Full grain leather straps, impossible to escape. Y a pas à dire, les traitements intensifs ici, c'est quelque chose. Get out of my head! Your iron fist is devoid of soul. Find reverence for the one that tremble. Great Lord! Cleft your body. Splinter your soul and become a servant. Oh, génial! Please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! Wretched mortal! Do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken! And let the world behold! Hey, Holmes, calme-toi! C'est passé quoi, là? The light of the abyss is the light from the abyss. Get out of my head. Oh là, ça va falloir être prudent là. Je sais pas ce qu'il fumait ici, mais en tout cas, la décoration est stylée. Ça faut le dire. Une pièce souhaitement réservée aux opérations chirurgicales. Un homme étrange a été détenu dans le sous-bassement. Il a disparu sans laisser de traces. La lumière de l'abysse. Un grand seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Non. On va faire grand chose d'autre. Ok, c'était un des élus qui venait d'Amérique, sans doute.
cas, hein, il va falloir faire gaffe, tu commences à te faire... Toi aussi à te faire posséder, hein. Qu'est-ce que... A hydraulic elevator, how ingenious. Bon, j'imagine qu'on va devoir aller par là. Ne dites pas que l'histoire est déjà... Le chapitre est déjà fini. Watson? Holmes? What are you still doing here? Still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. Hey, c'est le moment de réfléchir. I had nothing to do with this, Holmes, I swear it. Oh, t'inquiète, on te croit. Mais je crois qu'on a une idée de qui a fait ça. Heidi, how did she... it end up here? The patients here wear the same robes. The pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Ah ouais. C'est vraiment court à chaque fois que j'arrête la troisième partie. Faudrait... Comme quoi, il faudrait que je coupe les chapitres en deux en fait. Où les preuves nous conduisent-elles? Alors, je vous ai su... Sinon ça parle plusieurs fois de l'Amérique. Carnet du professeur. Peut-être. Voilà. La Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Une semaine désormais à la Nouvelle-Orléans. Il apparaît que les ravisseurs ont recours au service de la banque Emile Gray pour vendre des gemmes. Eh, eh, eh. Pas mal, hein. Et on a réussi à atteindre Russell pour débloquer une nouvelle récompense. En tout cas, une chose est sûre. C'est à Nouvelle-Orléans qu'on va aller. Et la vidéo va être très courte. We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans. You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. Ah, j'ai jamais pu. Je... Par contre, je. Par contre, j'ai de la famille qui est arrivée jusque là dans l'histoire originale, enfin dans le jeu original, de la folie qui manque pas de méthode. Nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing in this world. Holmes? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. Treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. T'as ignoré ça. In the end, she was just a shadow of herself. Outline of the person I recognized, but lacking all else, she was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John? I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered, let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness. Nonsense.
We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Un peu de respect. Of course. Thank you, John. Je me demande s'ils ont mis le petit caméo dans cette version-là. Oh non, ils l'ont pas mis. Oh non, ça aurait été génial qu'ils le mettent. Attends, je vais expliquer après. Alors, chapitre 4, les étrangers. Les étrangers dans un pays étranger. C'est sûr que ça va être génial. Bienvenue à la Nouvelle-Orléans. On a carrément changé de continent. Ah, Holmes. After our trip to Nippy, Switzerland, I can certainly use some of this new world heat. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why don't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over, and not a moment sooner. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage! Le service est good plus Lord, what have you done? That's my stuff. I'm sorry, Mr. On va sauvegarder là, mais dommage parce que normalement, dans le jeu original, dans le train après qu'ils aient parlé, les désolé de spoiler ceux qui l'ont pas fait, mais à ce niveau-là, mais depuis le temps, mais en fait, il y a un garçon qui arrive avec une petite boîte qu'il essaye d'ouvrir, une sorte d'énigme, il n'arrive pas. Alors sans dire un mot, voit Holmes tend sa main, le garçon la lui passe et il l'ouvre en quelques secondes. À ce moment-là, Holmes, et c'est là que Watson dit au garçon, tu vois mon garçon, si tu veux réussir, il faut utiliser ces petites cellules grises. Le garçon s'en va, il y a sa mère qui l'appelle, et là il y a sa mère qui l'appelle. Elle l'appelle Hercule, 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 et ensuite il y a un des responsables du train, un conducteur, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui appelle la dame en disant, Madame Poirot, ça y est, vous pouvez venir. En clair, le garçon qu'il a rencontré ce jour-là, c'était Hercule Poirot. Un petit caméo au compte d'Agatha Christie. C'était génial. Dommage qu'il l'ait pas mis là. Ça aurait été bien. Enfin, sur ce, messieurs, dames, on se retrouve une prochaine fois. Là, on reprend le chapitre 4 et Nouvelle-Orléans. J'ai jamais été jusque-là, mais j'ai de la famille qui y a été. Je les ai vus un peu faire. Mais je connais pas tout. Pour moi, ça va être un territoire inconnu.